Plus concrètement, sur le terrain de la solidarité, la Fondation Ibrahim Kabore tend la main aux personnes déplacées internes de Nioko de Ouagadougou à travers un don de vivres, une demi-tonne de riz offerte à l'une des mosquées du quartier, et la Fondation exprime ainsi sa contribution à l'effort de paix. Le compte-rendu de Franck Ouédraogo et Moussaki. Prière et remise de vivres aux personnes déplacées internes. Le tour est joué par la Fondation Ibrahim Kabore pour contribuer à l'effort de paix au Burkina Faso. Par cette action, la Fondation remplit ainsi une de ses missions qui consiste à soutenir les personnes vulnérables. Nous avons une situation exceptionnelle d'insécurité et que nos compatriotes vraiment sont démunis. Ils ont dû se déplacer. Malgré eux-mêmes, sans leur volonté. Donc nous avons jugé nécessaire de venir en aide, comme toute autre personne, comme toute autre institution qui le fait, et également pour répondre à l'appel du président du Faso. À cette occasion, responsables de la Fondation, personnes déplacées internes, ont tous prié pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Le don de la Fondation Ibrahim Kabore va contribuer un tant soit peu à soulager ces personnes déplacées internes. Nous sommes très contentes d'être à cette prière. Cheikh Oumar Kabore nous a donné des présents. Nous le disons merci pour cette initiative. Puisse Dieu le bénir. La Fondation Ibrahim Kabore s'engage à poursuivre son initiative en faveur des personnes vulnérables. Elle prévoit mener d'autres actions de solidarité à l'endroit d'autres couches sociales en difficulté.